Bonjour. Voilà, la nouvelle tendance, en fait, c'est de prendre deux vernis différents, hein, avec une base protectrice et qu'on remet ensuite dessus. Hein. Bon, j'ai déjà fait une main, hein, et j'ai déjà fait quatre doigts. Hein. Alors, avec un tampon, hein, vous mettez du bleu et du rose, enfin, ou du rouge, et du bordeaux, ou je sais pas, en fait, les couleurs, ou du corail, enfin, des couleurs de votre choix, hein. Et vous venez, en fait, tapoter, en fait, votre doigt là, comme ça. Vous voyez? Le bleu, enfin, pour moi, doit être en bas, hein, et le rose en haut. Voilà, comme ça. Bon, maintenant, bon, je peux peut-être il n'y en a pas. Il est un petit peu jaloux celui-là. Il faut que j'applique après la base. Hein, de nouveau, de façon à ce que les ongles soient vraiment uniformes et jolis. Hein. Maintenant, à moi de bien nettoyer le contour. Hein, parce que c'est vrai qu'avec l'éponge, on en met un petit peu partout. Bon, je le dis. Je confirme, je dirais. Bon, là, je pense que c'est sec. On peut. Voilà. L'avantage, c'est qu'il sèche relativement vite. Essayez de prendre des bons vernis. De marque, si, parce que les vernis, voilà. Alors, on peut pas dire que tous les doigts soient identiques, hein. C'est pas possible, hein. Mais c'est original, c'est spécial. Je pense que les jeunes cet été vont adorer, hein. Les jeunes comme les moins jeunes, hein. Voilà. Maintenant, on aime, on n'aime pas. Likez, likez, ou voilà, à vous de voir. Hein. Si vous aimez, ben, dites-le. Hein. Dites-moi vos commentaires. Vous pouvez également, avec le petit bâton, hein, prendre de la couleur et faire des petits points ou des dessins. Hein. Voilà, on peut faire plein de choses, hein, maintenant avec les vernis. Voilà, tout simplement. Voilà, mais c'était tout. Au revoir et à la prochaine vidéo.